m'avais diffamé auprès de 5 à 10 000 personnes au moins ce matin. Dès que je me suis co sur un live, je me faisais flame dans chaque titre et par tout le monde depuis plusieurs heures. Oh non, pas moi frérot, juste rebalade. Tu te permettais de me flame dans le chat d'Aléa. Mais pourquoi je me suis fait flame? Personne m'a dit quand on jouait, j'ai demandé. Je me fais flame parce que je ne suis pas là, alors que le seul message par rapport à LOL c'est je pense qu'on ne tweetera jamais sur LOL. Ouais, my bad, j'aurais dû deviner du coup. Oh Aldé et Robalas qui m'ont flame parce que j'étais pas là. Leurs titres et vocales sont vraiment très fautifs. J'ai rien fait de mal. Encore vraiment quelque chose de déchirant qui s'est passé entre Marex et Robalas, hein. Vraiment je m'en reviens pas. Je vous avoue que là je le cache parce que je suis en stream, mais j'ai qu'une envie, c'est de fondre en larmes, parce que vraiment voir une amitié comme ça se déchirer, ça me détruit. Mais bon, j'essaie d'aller de l'avant malgré tout. 12 seconds later. Et du coup t'as dit quoi déjà de Marex ce matin, Robalas? Ah bah gros, c'est ma dédicace. Nous sommes donc sur banane, sardine à l'huile d'olive, le tout arrosé de ketchup. Donc ça, je me rappelle, en fait c'était un petit déjeuner que je m'étais fait parce que je m'étais réveillé très tôt, je pouvais pas aller faire les courses et il me restait des bananes et des sardines ainsi que du ketchup dans mon frigo. J'ai utilisé les trois et j'en ai fait un délicieux petit déjeuner. Bien commencé ma journée. Et maintenant le petit droit qui m'a rendu célèbre dans l'univers de la cuisine, le fameux purée surgelé pica saupoudré de son boudin noir surgelé pica avec une immense banane entre deux. Le plus grand classique. Regardez et paf, c'est Alistar. Pendure, pentakill. Allez, silence. Tenron, cuclic, cogmo, un V9, scripting. Mais il va la fermer sa gueule à un moment. Peau sans aberbe qui en ont pas, Aldo, il rase pas la barbe, moi j'arrive pas à avoir de barbe. Franchement, on va en discuter. Si je rase ma barbe, listons les avantages. Pas besoin d'aller chez le barbier, économie d'argent, gain de temps, plus de temps de jeu. On a également besoin de moins passer l'aspirateur. Parce que souvent, bah forcément, je perds des poils de barbe. Et quand je perds des poils de barbe et qu'il y en a par terre, bah je suis là, mais c'est dégueulasse. Je suis obligé de passer l'aspirateur quand je vois ça. J'aurai un lit plus propre, car il y aura plus de poils de barbe dans mon lit. Ça me permettra également de stream en no cam pendant quelques jours avec une excuse. Et je mettrai une photo de moi à la place. C'est pas capable des bros, moi j'en ai rien à foutre. Attends, je vais essayer de faire un dégradé sur la barbe, frérot. Attends, je vais tenter de faire un dégradé vite fait. Tu me dis si je l'ai réussi après? Genre comme ça, un petit dégradé? Je l'ai bien fait là, non? Et là, ça, c'est un dégradé, non? En vrai. Et comme ça, c'est mieux? Ou attends. Voilà, je peux rester comme ça en vrai. Genre ça fait un style. Genre c'est un mi-barbe. Nouveau style, je peux surprendre les gens. Là je suis comme ça, je suis posé. Il se dit ouah putain la barbe. Et là je me retourne. Il s'y attendait pas. Tu vois, il est complètement bluffé si je fais ça en fait. C'est un effet de surprise incroyable en fait. Oh let's go, oh, je peux avoir à Momo. Ah oui, pitié monsieur. Frappe-la, pitié. Tu, auto. Pitié. Hey. Petit chat, laissez-moi vous tuer, pitié. Non, pitié, quoi. Mon grand délire pendant une période, je m'amusais à faire des énormes glaçons dans des verres en plastique. Genre, je remplissais plein de verres en plastique, je les mettais au congèle et ça me faisait des énormes glaçons, mais des trucs qui faisaient la taille d'une main, tu vois. Et mon délire, c'était de me faire un stock de trucs comme ça. Et une fois que j'avais un stock, je prenais mon stock, j'allais dans le jardin et j'éclatais tout sur le mur d'une des dépendances. Et ça me mettait trop bien. Je sais pas, ça, j'aimais bien faire ça. Une fois, je me suis gouré. J'ai pas touché le mur de la dépendance avec un des glaçons, mais j'ai explosé la vitre. Et en plus, c'était vraiment très drôle parce qu'il y avait parfaitement la forme du glaçon dans la vitre. Et je me suis dit, c'est impossible à cacher. Genre, c'est impossible à cacher. Si mon père voit ça, il va me démolir. Donc, faut que je l'avoue à ma mère avant que mon père rentre du taf. Mais, faut que je l'avoue à ma mère pour que ma mère le dise à mon père. Mais pas que ce soit elle le dise en mode regarde ce qu'il a fait Adrien. Non. Du coup, moi, je vais voir ma mère. Je lui dis maman, what the fuck, je sais pas ce qui s'est passé. Je troll même pas. Hein, c'est une histoire totalement vraie. Et j'essaie de lui faire croire que je sais pas ce qui s'est passé et que je viens de remarquer qu'il y avait ça dans le jardin et que c'était peut-être des jeunes qui étaient venus faire ça. Mais genre, je lui dis avec un regard fuyant, des mains tremblotantes et tout, et l'histoire avait aucun sens de base. À la instantanément capté. Et elle m'a mis une énorme gifle instant. Du coup, j'ai évité celle de mon père. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est parfois prendre un coup peut éviter de prendre un coup plus gros. Est-ce que j'ai une assise? Tréton, défends frérot. Tu fais quoi frérot? T'es pour qui défends pas? Mais Tréton, défends, merde. Regarde-le. Mais t'es en train de ruiner ma VOD. Oh oui! Il a fait un truc! Oh, il joue! Regardez, il joue! Il est en train de jouer! J'en viens pas, il joue au jeu! J'en viens par Jana! Oh le pauvre, on est horrible avec lui! C'est même plus du cyberbully là! C'est de l'acharnement! A few moments later. Protège-le! Mais protège-le! Traiton! Mets ton équipier! Vite, attends! Non! Oh, ça m'a cassé les couilles, j'ai cru que je pouvais m'enfuir plus TP! Yumi! Oh oui, Yumi! Go RP chat fast! Let's go! Tous sur moi! Mais on va pas faire ça! Mais si! Mais non. Putain, il est trop bête ce mec! Non! Miaou! Oh, miaou! 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 Y'a Speed Pusher, police! Vous êtes en état d'arrestation, miaou miaou! 16 de dégâts par tour, on est en train de le saigner comme un porc. T'as compris la blague? Parce que c'est un cochon en fait, c'est marrant. Du coup, on pourrait faire un assassinat discret, du style sauvegarde rapide, je dégaine le marteau de guerre.
on va faire un jugement purement impartial. Lui, c'est un homme chat, on peut pas lui faire confiance. Lui, c'est un nordique, du coup il est comme nous. Elle, c'est une impériale, du coup elle est pas comme nous. Et lui, on le libère. Merci. De rien, frérot. J'arrête. Quoi? Bon, bah ça a pas marché comme prévu. Il voulait vraiment pas vivre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai décidé d'arrêter d'être arachnophobe. Je pense que c'est passé de mode d'être arachnophobe. Ah! Ah! Ah bah alors ça fait du bien ça, hein! Eh oh, faut tomber! Mais il y en a beaucoup! Et moi qui croyais que ça allait être des ours? Ah! Pff, attendez, je dois boire un peu d'eau, faut que je resette là. Let's go, on a réussi à gagner malgré le fait que Chap soit une sale merde. Ah, encore une fois, je suis une sale merde. D'accord, c'est cela. La prochaine fois, je vous prendrai un champion qui a range illimité. Comme ça, peut-être que Robalas fermera sa grande gueule. Quoi? On en fait pas une last? Bien sûr que non, on en fait pas une last. Pour de vrai? Bah oui, pour de vrai, on a fait 5 games, c'est très bien 5 games. Chap, tu peux compter sur lui de 12h30 à 14h30. Après, il répond plus de rien. Ah ouais, je vais relativiser, me dire que 3h, c'est un créneau. C'est un créneau, genre minimum syndical, genre 3h, 3h30, tu vois. Chap, c'est 3h sur le papier. J'étais sur Twitch Télévision. Et je vois quoi? De la diffamation publique. Je porte plainte pour diffamation. Mais quelle merde, il revient juste pour ça. Et tu sais que là, il est sur nos lives et il est en train de se poiler. Je les ai trollés en vocal. Oh mais vas-y! Mais si je joue un rang, j'ai envie de le poke et dès qu'il s'approche, exauce! Ah, de tout, ton pote! Il peut pas nous loin comme ça! Bah, désolé de devoir l'aimer avec toi! Sale merde! Fils de p. Oh. Ah, bah c'est Evelyne qui est là maintenant, hein! Je vais le récupérer parce qu'il a tué mon ami! Mais c'est grave, j'aurais l'aim vraiment avec lui, bouge! Mais ils sont deux! Pourquoi? Ah, c'est donc comme ça, Victor! Oh, elle a bien failli être tendue, cette action. Heureusement qu'elle avait des clôtres. Ah ouais, faut jouer. Mais putain, mais je pensais pas qu'elle en avait une aussi. Mais pourquoi y'a Twitch? Mais Hampton, je veux pas jouer, je ne veux pas jouer. Allez, bien jouer. Je ne veux pas jouer, pas jouer, pas jouer. Mais pourquoi y'a toujours des exodes? Pourquoi? Ouais. Quoi? Quoi? Mais j'ai appuyé sur R au même moment. Mais il m'a mis un crit. Il commence à faire mal le Twitch. Tous sur F, j'arrive. Ah. Oh, mais putain. Le Drake, c'est... je dépeux au Drake. Non, j'attaque, j'attaque. Quoi? Non. Mais non. Mais j'ai manqué de crit sur l'action. Ça s'arrête jamais. Tu envoies la petite merde. Oh, Evelyne, il veut pas toucher. Evelyne. Petite merde. Hey, c'est Lotus. Ah, c'est comme ça, toi, hein. Ok. Oh, tu vois pas? Ah, voilà. J'attendais le bon moment, bro. Je suis tellement on point que t'arrives pas à le comprendre vu que ton gameplay est approximatif en permanence. Genre j'attendais le moment parfait pour rentrer dedans en fait. Toi tu sais pas quand faut rentrer dedans. Tu crois que c'est l'open bar en permanence? À toute heure il rentre dedans. C'est pas comme ça que j'imagine la vie. Je pense que si je viens ça va mal se passer là. Tu veux qu'on le dive? Juste après le terrain est plus miné hein. Non! Non! Ma Rex! Je pense que si je viens ça va mal se passer là. Tu m'as empêché de claquer le Q! Non, en fait, enfin je pensais que non, 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 shoot! Shut it! Si je le tue pas, il tue. Shoot! Combattez tous ensemble! Comme des frères, une équipe! Ok, baquez et soyez tous prêts à ce qui arrive, car c'est pas du Jojo ce qui arrive, hein. Chap! Soit-il! Ça part! La racaille, ça dégage! Ça se fait exterminer! Putain, mais je peux jamais avoir l'info sur ce mec là! Sur ce vieux gars là! Mais fallait que je crit! La racaille, ça dégage! Ah! C'est donc comme ceci que vous imaginez la vie, hein? Ah bah ça a l'air plutôt équilibré. Trindaber, c'est ça? Le champion avec l'épée là, le Barbarian King. Oh! On tira! Oh! À l'aveuglette! Ok, guys. Oh, j'ai 4 kills sur toi. Oh non! Oh, oh non! Le contour est invisible, j'ai pas le temps de me heal. C'est sans aucune hésitation et sans aucun scrupule que j'ai déduit et que j'affirme haut et fort que ce qui vient d'apparaître derrière moi n'est autre chose qu'une manifestation paranormale. Non, en vrai, faudra vraiment qu'on aille au château de Soupex un jour. En vrai, no fake, imaginez, on fait vraiment vacances, fait voyage, château de Soupex. On va vraiment à Soupex. Parce que pense... Soupex, pour ceux qui ne savent pas, c'est une commune. Et c'est quoi, c'est des Soupexois qui vivent, c'est ça? Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Donc vous êtes un Soupexois, c'est non, ça. Non, il y a s'il vous plaît, go louer un hôtel là, à Soupex. J'ouvre Google, château de Soupex, avis Google, il y a 3 semaines, une sous-soupe délicieuse préparée avec amour et délicatesse. Je recommande. Et il y a un mois, merci monsieur pour la bonne sauce. Encore avant, il y a 2 mois, la soupe y est excellente, préparée dans un chaudron authentique. Oh, ça met trop bien. Dans un chaudron authentique. Chap, il a nos flash top. Viens, on tue. Nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère.
Tu lui as dit à lui, là. Dis-lui. Ah, bah Jungle Diff, elle a quand même eu les rapides. Alors comme ça tu m'aimes pas. Ah je pense que c'est la jungle diff là et c'est pas la mid lane diff qui était sur la prison. Ah d'accord, ok. Donc tu te suicides deux fois mid et tu oses blame que le talon a de la prio. D'accord. Ah je pense que c'est my bad, désolé frérot. Non mais désolé. Juste de rien pour la partie en fait. Oui oui, de rien, de rien. De rien pour avoir chié sur ma lane là. Mais qu'est-ce que tu fais mais... Non, Charles, tu es une merde. Oh mais c'est... tu es une honte, Charles. Oh, c'est... Oh, tu es une non, mais, honte. Non mais oh, hé, la bot lane diff là. Bro, t'es sérieux? Tu renifles tes étoiles en live. Tu es là? Non. Oh les bonnes ma mère là. Chap est au-delà de honteux cette game. C'est une honte. Allez, allez, tu peux le tuer. Allez. Attendez, je dois m'étirer. Ah ok, faut s'hydrater un petit peu aussi. Robalas a besoin qu'on le réanime tous vers Robalas. J'arrive Robalas. Robalas, no fake, je suis en train de rush vers toi. T'es un vrai frère que je suis. Je suis du Discord. Mais non, tu n'es pas du Discord. Tu es super cool. Ne dis pas ça Robalas. Ne dis pas ça, tu es super cool. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas super cool. J'arrive. Vous êtes fine? Non, il m'a pas réanimé. J'ai essayé. Mais j'ai essayé, tu peux pas dire que j'ai pas essayé. Attends, je reviens. Je reviens, bro. Ah bah je suis spectateur. Les viewers. Putain, j'ai vraiment pris mon live comme ça, c'est une honte. Mais il retire des trucs, il a plus de tête. Bon, les airs, stop, taper. Ok. On tape. Stop, il doit en rester un ou deux là. Merci. Mais je croyais qu'il fallait laisser un rampant. Mais Aldé a mis son meilleur coup de fusil à pompe dans l'eau. Enfin, c'est grave, non, sans déconner. Ah enfin, c'est ça de... Mais on a perdu. On perd pas la manchise, bordel. Faut me reste, les gars. Non. Ok, je vais faire une incantation, ça va le tuer. Ok. Oh, what the fuck? What the fuck? Mon perso est immonde. Quoi, qu'est-ce qu'il a? C'est un chien de la casse. Mais non, il est très très bien. Il est tout doux. Bah, il est au calme. Il est là. T'es qui là? Petit dégradé. Anakin. Petite barbe. Pas le temps de niaiser. Ce qui est bien, c'est que là, on vient de le tuer. Donc, le cadavre est tout frais, tu vois. Il va pas disparaître avant un moment. Donc, on a pas mal de temps pour le mutiner si on veut. Ah ouais, ok, tu es. Voilà, là, on lui a coupé une jambe, un bras. Vous pouvez essayer de lui couper la tête aussi. Voilà. Plein de petites choses comme ça à faire. Merde. Tu me casses les couilles à courir. Surtout que toi. Non. Tu m'as eu. Oh. Oh, j'étais. Bro, j'étais pulvérisé la tête. J'ai fait du hachi avec ta tête. Là, je t'ai pété le genou. Y'a ton os qui sort. Y'a ton os qui sort, bro. Attends, Oh. Y'a ton os qui sort au niveau du coude. Je t'ai arraché la jambe. Quoi? Ah. Ok, là, je vais faire la levée de bouclier. Ah. Tu peux totalement me battre au point. Non. Il faut que tu perdes cette habitude. C'est pas bien. Piège ours, bombe à feu, range, je suis pas autorisé. Oh, tu m'as eu. Voilà, hachoir contre arc. Non, t'allais me le jeter, mon salopard, je t'ai vu. Là, tu viens de le jeter. Je vais te hacher, tu mérites que ça. Non. Tu arrêtes de prendre l'archer, Robalas. Tu arrêtes. Mais c'est toi qui m'as donné envie. T'es où? T'es l'archer? Ouais. Ah! C'est donc comme ça, Sir Chien Balas. Vous allez reposer cet arc. Arc pas autorisé. Mordo égale mêlée. En fait, là, je suis dans Darkest Donjon. Je suis un croisé. Test de foi réussi. Vigoureux. Et à côté de moi, j'ai trois mecs en abusive, hopeless, masochiste, à 175 de stress, que je ne peux pas gérer, en fait. J'ai beau leur faire des réductions de stress en zone de temps en temps, ça ne peut pas du tout contrer les dégâts de stress qui sont mis en zone en permanence. Le simple fait de marcher dans un donjon à 4, on finirait par mourir, en fait. À cause des répliques qui feraient trop monter en stress une toux crise cardiaque. Il y aurait même pas besoin d'ennemis pour mourir, là. Avant de finir, je vais me démute, les gars. On va faire un test. On va prendre la température. Heureusement, ouais, parce que bon. L'ambiance ouais. Elle est tryhard ou pas, les gars? Je serais la gueule de démute quand on tryhard. Non, est-ce que l'ambiance est tryhard? T'es en train de me déconcentrer là, attends. ok, je vois commencer. Ah, attends. Ah, si tu payais 200 pour un caca. Ça ira. N'oubliez pas, chaque ennemi tué à ce stade est une grande, mais vraiment une grande victoire. J'ai perdu. Adieu. Tout dépend de qui? Oh bordel, tout dépend de Chop. Là, il est en train de troller, je sais pas ce qui branle, mais sérieusement, frérot, mais qu'est-ce que tu fais? Mais plus de distance! Oh mon dieu! Mais. Ah, ah! Je crie réellement derrière mon PC, arrête! Allez, tu peux le faire, peu de char. Non, mais qu'est-ce que tu. Ah oh, pitié, arrête! Mais arrête! Putain, c'est éprouvant le react sur Twitch, hein. Je crois que c'est 13 gold pour 10 flèches, il peut le faire large. Par contre, tu vas me faire le plaisir de ranger cette hallebarde, non? Non? Putain, que
le corps à corps sur personne, mais le mec qui fait 500 kilos, 3 mètres, et qui a un arbre dans la main, tu te dis, oh, on va peut-être le piquer avec l'arbalète. C'est une honte sans nom ce que tu viens de faire, mais vraiment. Frérot, tu peux le dire, tu voulais cut ton créneau, t'avais faim. Permanently banned from talking in this chat. Oui, mais modérateur, ton permaban. Ah. Mais modérateur, ton permaban par respect envers moi. Tu es cancel, Chap, tu es cancel. Chap, tu vas respecter les distances de sécurité, y'en a marre. Mais il faut courir. D'accord. C'est du beau boulot, Aldé. C'était pas voulu. Présente-moi. Aldé, c'est la science du sport. Tout ce qu'on appelle le tryhard, c'est-à-dire gagner ce truc-là. En fait, c'est le respect du tryhard. C'est merci monsieur. C'est cet objectif de... Le but d'une partie, c'est de prendre du plaisir. Et pour prendre du plaisir, il faut jouer carré, précis et détruire les mâchoires de mes adversaires de manière noble. Et alors, qu'est-ce que tu proposes, toi, plutôt? Oh, je propose des tonnes de choses. Un peu tout. Déjà, je ne propose pas le programme. Je suis grandement contre les programmes. Il faut que quand le viewer arrive sur mon live, il n'ait pas la moindre idée de quoi... C'est la surprise. Exact. Et très souvent, il y a une surprise que je fais. C'est parfois, je suis pas là pendant une semaine. C'est-à-dire qu'il se connecte à ma chaîne, je suis pas là. C'est la surprise. Mais c'est surprise sur surprise, tout le temps des surprises. Ah, on me dit qu'il y a des dragons dans Skyrim. Exactement, il y a des dragons, mais ne surtout pas les activer. Et moi, c'est mon kiff absolu, les dragons. Tu adores les dragons? Je suis fasciné par les dragons. Ouais, mais moi, je ne les active pas, je les déteste. C'est un aspect du jeu qui est certes bon, mais est-ce que tu es un peu un gamer, Samuel? Je l'ai été au milieu des années 80 avec les consoles préhistoriques pour toi. Il nous faut un exemple de la vraie vie, du coup. Imagine que tu te balades, tu vas voir ton boulanger. Tu veux juste chercher du pain, tu as ton plan de route. Et sur la route du boulanger, il y a un corbeau qui t'attaque. Et imagine, c'est comme ça tout le temps dans ta vie. Ouais. Tu te balades et tous les 10 mètres, il y a un corbeau qui t'attaque du ciel et t'es obligé de le gérer. Ça te plairait pas? Ça me dérange pas, moi. Enfin, je veux dire, c'est une forme, ça te dérange pas. C'est une forme d'aventure, quoi. Ah bah ça te plairait, Skyrim, alors. Attends, je filme, attends, je pose la d'accord, caméra. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, donc là, je me mets en train de faire pipi. Et t'arrives à faire pipi à côté de moi et je suis en mode. Ah, c'est gênant, bro. Ok, psss. Oh, bro, t'es gênant, bro, t'es sérieux? Sorry, bro. C'est n'importe quoi! Ok, donc là tu rentres. Oh, je crois que tu t'es trompé de porte. Le club de cuir est deux blocs plus loin. Fuck you! Non, toi, fuck you, homme de cuir. Non, toi, fuck you. Merci beaucoup pour ça, Jumpay, tu es super cool. Franchement, c'était une superbe reconstitution. Merci à toi. Ok, quel type d'expérience avez-vous? J'ai fait 2 mois en usine et je mettais des biscuits dans des boîtes. C'est parfait, super. Mettez-vous à poil. Quoi? Non, il est bizarre. Non, mais je vous l'ai dit, il est bizarre, ce mec-là. Je joue plus avec toi. Oh, il est là, il est là, il est là. Ça clignote, ça clignote, ça clignote. Vite, là-dedans. Georges, pitié. Non, Georges, pitié, monsieur. Georges, déconne pas, bro. Je suis mort. Oh, monsieur, pitié, non. Ouais, Georges, pitié. Halte ta gueule. Non, monsieur Georges. Non, monsieur Georges, pitié. Eh hey, t'es fou! Elle est trop pipou la musique. Non mais notre rôle, la musique elle est trop choupi. Mais vous trouvez pas, elle est toute gentille la musique? Tu mets le parti? Ouais, j'ai envie de croquer dans un bol de quinoa là. Ouais. Bah ouais. Alors on va rename le stream. Stream super friendly avec les amis. Sourire. Non, je te déteste, vraiment je te déteste. Ah, je m'en rends. T'es une mauvaise personne. T'es un manipulateur, toi. T'es une mauvaise personne. Là, tu es une mauvaise personne. Jouer, je me fais encore flame. Mauvais. Ah ben, ça va. Tu es mauvais. Par contre, la musique de mon jeu est beaucoup trop basse, hein. J'arrive pas à me mettre dedans. Musique volume 100%, voilà. Merde! Ah, tu t'es déconnecté? Non, mais! Ah, j'ai cliqué sur exit en mode exit le menu d'options, mais en fait j'ai quitté le jeu! Non, les gars, je vous jure! J'ai pas fait exprès! Les gars, j'ai pas fait exprès, je vous jure, c'était pas voulu! Salut, bon après-midi! Non! Go cut! Les gars, s'il vous plaît! Ah merde, j'ai quitté sur exit, ça a cut mon live! Rebalance quoi! Bah, c'est bon! Il va faire non mais où là? Ah il est chiant. Tu nous as fait perdre une heure avec une merderie. Mais bon, ça va te casser les couilles. Mais non, 20 minutes à tout casser. On veut devrait 20 minutes à tout casser. Non, tu fermes ta gueule. De toute façon, fallait des games de show. Trouve des excuses. Y a que tes viewers qui vas berner, je te le dis moi. Oh, y a mes frères et sœurs. C'est parti. Miaou. Se lèche la patte et se frotte l'oreille. Miaou. Frotte sa fourrure contre fourrure amie. Se roule dans la neige. On supprime. Monsieur chat, je suis désolé. Quoi? Ah, ça marche même pas. Ça marche même pas. Non, monsieur Miaou, pourquoi tu es tombé dans le crime? Pourquoi, monsieur Miaou? Monsieur Miaou a été abattu par une flèche qui n'est même pas dans son corps. Ah, Jésus! Alors toi, tu m'as sauté dessus. T'es qui pour sauter sur Nasus? Jésus,